السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة للجميع. Bonjour tout le monde et bon vendredi à tous. On va commencer à préparer un petit goûter. Je vais faire des crêpes marocaines. Pour ceux qui ne savent pas le faire, كيف ما العاده ولكن باش نعطيكم واحد الفكره كيفاش كندير الفارينات. يعني كندير دائما الفورس مدوبل على القمح. الا درت نص كيلو تاع الفورس كندير ربع ديال القمح, الا درت كيلو تاع الفورس غندير نص كيلو ديال القمح. دونك ان فيت لا روسيت مو جي كوم جو دي توجور جي الكومبا دون لي. En fait, pour avoir une pâte souple qui ne se déchire pas, au moment où on fait on commence à préparer notre feuilleté, il faut utiliser 500 g de farine type 45 et 250 g de soumoule extra fine. Ou le contraire, 1 kg de farine 45. Pour 500 g de soumoule extra fine. Donc en fait, je vais mettre toujours la farine doublée par rapport à la soumoule. Donc je vais travailler ma pâte avec de l'eau, que de l'eau. Je vais rajouter du sel, je vais rajouter, moi pour parfumer, j'aime bien mettre de la vanille. C'est pas pour le goût mais aussi pour l'odeur. En fait, quand je le mets à cuire, ça se diffuse dans toute la maison et c'est agréable. Ça fait sortir toutes les petites marmottes de leur chambre pour venir voir ce qui se passe dans la cuisine. Donc on va faire la vanille ou on va faire la khmira ديال الحلوى. Alors on va mettre d'abord le goûter ديالي, la pâte qu'on va mettre à la tisser. دابا شحال عندي في الساعه؟ عندي 2:15 ديال العشيه. غنوجد لاباط باش نوجد الكوتي باش يكون واجد مع الخمسه ديال العشيه ملي يجيو الدراري من المدرسه. دونك لا جو بريبار ما بات ا لافونس. لا ايلي با اونكور 14 اور. دونك جو لا بريبار بور لو غوتي دو 17 اور كون لي انفون رونتر دو ليكول. كونسيرنون لو, je vais vous montrer la consistance de la pâte à la fin, donc je ne peux pas vous dire la quantité exacte d'eau. La pâte, il faut qu'elle soit souple, pas collante et pas dure non plus. Et l'eau pour le msmen, il faut qu'elle aille plus vers l'eau fraîche que l'eau chaude. Tiède, mais vraiment légèrement tiède. Quand il fait froid, on peut mettre une eau tiède. Et quand il fait chaud, vous pouvez même carrément préparer ça avec de l'eau fraîche qui vient directement du robinet. Donc, je vais mettre ma levure et ma vanille, le sel. C'est des crêpes salées. Après, bien évidemment, on rajoutera après du miel ou ce que vous voulez. دونك كندير الخميره وكندير لا فاني غندير الملح. دونك الدريات المسمن كنعجنوا الاغلبيه تاع الوقت بالماء اللي مايل البروديه. يعني الا كان الحال بارد بزاف ديروه شويه دافي, ولا كان الحال شويه سخون ديروا كاع الماء بارد نتوما, هي ماشي مشكل. Donc là j'essaie de mélanger mes pâtes avec ma levure et mon sucre vanille, et après je vais rajouter l'eau. Une petite astuce pour que les crêpes soient bien dorées à la cuisson et que la couleur elle soit uniforme, on peut aussi rajouter une cuillère de sucre si vous souhaitez, une cuillère à soupe de sucre. Donc باش يتحمر لكم في ساعه الكيات تقدروا تزيدوا واحد العشره ديال عشره كبيره ديال السكر. لو كتبقاو زيدو ما بشويه بشويه وكتشوفوا يعني كتبقاو كتزيدو حتى
ما تزربوش على الماء بالزربه من الاول ديروا الماء بزاف لو يفون راجوتي بيتي ا بيتي اي pour voir la consistance de la pâte et rajouter c'est toujours par la suite ne mettez pas beaucoup d'eau et ils se retrouvent obligés à rajouter la farine derrière. J'espère que mon beau robot ne fait pas trop de bruit. Qui n'ont pas de robot, si vous préparez la pâte à la main, comme si vous la préparez à l'avance, vous la mettez dans une. Il y a deux astuces. Vous la mettez dans une cocotte minute, vous badigeonnez votre cocotte minute avec de l'huile d'olive, vous l'enfermez dedans et la pâte elle va se travailler toute seule. Et si vous n'avez pas de cocotte minute, bah, vous mettez ça dans un sac de congélation, vous l'enfermez dedans. Et voilà, laissez aussi pareil reposer assez longtemps et comme ça vous n'auriez pas à la travailler physiquement. Si vous avez un robot, c'est encore mieux. Moi, en tout cas, je ne peux plus me passer. Hein. C'est pas possible. Vivre sans celui-ci, c'est pas possible. C'est plus possible. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer comment le robot est mis de la poudre comme un arbre. Il est mis de la poudre. Donc, je vais vous montrer comment le كديروها في الكوكوط كتسدو عليها وكتخليوها تنساوها واحد ساعتين ما كانتش بغيتي ديروها في الكوكوط ديروها في ساك ديال الميكا وخليوها تنساوها واحد شويه حتى ترخف مزيان يعني انا ما عرفتش نخليها تسدك بزاف غير تجمع راسها واحد شويه تبدا تسدك صافي غادي تحيدها دونك نوريكم كيفاش كتولي كتبان لكم مزيان كيفاش كتولي هاد لاباط كتبان ما كتلصقش بزاف وجامعة راسها يعني ما قاصحة ما كتلصقش غنخليها تخدم ميم با 5 دقائق غنخليها تخدم واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق غنطفي عليها وغادي نغطيها ونخليها حتى ديك الربعه ونص بحال هكاك عاد باش غادي نصوب هذوك الكويرات ديالي نخليهم يترفقوا حتى هما واحد 10 دقائق ربع ساعه ونورقهم ونبدا نطيب او ميم طو انا كنورق او ميم طو انا كنطيب كما كلشي كيجي هذا الشيء بالزربه وكيجي كيبقاو المسكينات باقيين سخان في الروب غادي ندير لكم شي حاجه دونك ملي تديروها ترتاح ما دهنوهاش بالزبده دهنوها سورتو لك الحال بارد دهنوها بالزيت وفي الاول ملي غداو تخدموا هذيك العجينه ديالكم حتى هي خدموها بالزيت حتى الطراق عاد باش ديروا الزبده باش ما تقطعش لكم العجينه ne travaillez pas le beurre au départ, c'est-à-dire pour le mettre au repos, ne mettez pas de beurre, surtout s'il fait froid, parce que si vous mettez le beurre, au moment où vous allez commencer à faire votre feuilletage, la pâte, elle va déchirer, du coup, ça va être un peu compliqué à gérer, surtout pour les débutantes, je parle, surtout pour les débutantes. Vous travaillez au départ avec de l'huile, et une fois que vous avez étalé votre pâte, vous commencez à faire votre feuilletage, là, vous pouvez mettre le beurre. Voilà, mais ça je vous donnerai un peu plus de détails en fonctionnant mes petites semenettes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages sur la dernière vidéo. C'est vraiment très gentil, ça me touche énormément, mais vraiment. Merci beaucoup, je sais que il y a beaucoup d'améliorations à faire et à mettre en place. Vous êtes vraiment très gentils avec moi, c'est vraiment très 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 sympa. Inch'Allah ya Rabbi, avec le temps je serai vraiment à la hauteur. Voilà, المهم غنخلي لاباط تاعتي ترتاح وملي غنبدا نصوب فيها نرجع معكم.
دونك باش نوريكم لا بات كيفاش كتكون. يعني كتبان مرخوفه كتجي بحال هكا كتلصق، ولينا راه ما كتلصقش يعني ما كتبقاش لاصقه في اليد، ولا غير واحد شويه يعني اللي كتبقى لاصقه في اليد كنقدروا نحيدوها بلا ما تبقى لاصقه لينا في يدينا. هكا خاصها تكون. دونك لا بات اون مي لابريسيون كالكول مي الكول با، دونك فو كالسوا سوبل كوم سا. Voilà, c'est la seule chose que je peux faire pour vous montrer vraiment la quantité d'eau qu'il faut. Allez, c'est reparti pour l'étape suivante. J'ai désinfecté mon plan de travail avec du vinaigre blanc, bien évidemment. Donc, notre pâte, elle est devenue toute lisse. Donc, elle me semble bien le plan de travail d'Yana. كتشوفوا العجينه تاعتنا كيفاش رطبه وزوينه. غادي نحيد الحته من هنا. J'ai fait un mélange. Donc moitié huile de tournesol et moitié huile d'olive. Donc درت نص زيت المائده ونص زيت الاورنج. هلا ناخذ شويه في الاول في الفيديو. دونك نصاوب الكويرات ديالي دونك جو فير كوم سا افيك توت ما بات اي جو لي جو لي سي ريبوزي ان تو بتي بو اي ابري جو كومونس ا Allez, je termine ça et je reviens vers vous. Ma nature, je reviens. Voilà. Donc là, j'ai fini de préparer mes petites boulettes. Je vais les couvrir un peu avec un film alimentaire. Donc, je vais vous dire que je vais aller. Je vais rappeler mon film alimentaire. Je vais laisser poser une dizaine de minutes. Juste le temps de débarrasser, laver mon bol à robot et mettre ma poêle à chauffer et je vais commencer à faire mon feuilletage. Donc je l'ai laissé à l'écrire le bénin marcel avec du peigne et de la chaîne on dirait que la vie est trop on va le refaire on va dire qu'on va faire un taille en même temps. دونك غادي نبدا نورق في العجينه ديالتي. كندير شي الزيت بزاف في الاول باش ما تبقاش تزلق ليا العجينه. كنبدا كنطلقها واحد شويه وكنجر شويه بشويه من كل جهه بحال هكا واخا تشابك واحد شويه ماشي مشكل يعني ما تخافوش الا تشابكات لكم. Donc j'essaye d'aplatir et de tirer en même temps. Si ça se déchire un peu, c'est pas très grave parce qu'on va la plier. Et en fait, j'étale. Je tape pas vraiment, mais en fait, j'étale comme ça. Donc je mets un peu de gras sur mes mains, donc un peu d'huile, et je pousse ou j'étale. Enfin, je sais pas comment. Ici on a du mal, donc on prend la pâte et on la tire un peu. Vous voyez, il y a des petites
déchirure, mais c'est pas très grave. Il y a une chouche les gars, ça, mais machin, mouchkil. كان ندير الزبده هي الاولى قبل ما ندهنها بالزيت باش تشد ليا فيها الزبده لان درت الزيت ما غاديش تشد ليا فيها الزبده دونك كندير شويه ديال الزبده بحال هكا جيتال ان بو لو بور افون دو راجوتي لويل جو رمي ان بو دويل Alors, il y a une astuce. Vous prenez un petit truc comme ça, un petit pot d'épices, et vous mettez de la semoule extra fine dedans, et vous saupoudrez. Comme ça, en fait, en faisant ça, quand la pâte, quand ma crêpe elle va cuire, et ben, elle va rester vraiment feuilletée, c'est-à-dire les plis vont rester séparés. Donc, elle est ouchée à ce niveau-là. باش تبقى مورقه لنا هذيك الورقه ما نكتروش بزاف غير واحد شويه moi des fois je à la place de la semoule extra fine je mets de la poudre d'amande là je voulais le faire mais j'ai déjà les mains toutes grasses j'ai pas envie de salir mon pot je ferai peut-être pour les autres quand j'aurai plus de semoule là On essaye, si on a des, on appelle ça, si on a des oreilles de lapin, on les met à l'intérieur. Donc, il a du glycon monté ou jette. Alors, je voulais avec le houdinat de l'intérieur, parce que je suis comme un juste jouer. Il a mis un chaud à deux toiles ou à l'haka. Je vais me dire, on se doit à l'haka. Mais les chambres, il y a des tout là, pour te grâce à la rade de tra. Voilà. Et donc là, hop. Je vais refaire une deuxième avec vous. Donc, l'huile, ma candice est zit. Parce que je ne vais pas faire de l'huile au tarjah. Mais je vais faire de l'huile au tarjah. Ma candice est zit. Je mets pas de l'huile au départ. Comme ça, elle se rétracte pas. Elle reste collée au plan de travail. Un peu, en fait, ça m'aide. Et comme ça, quand je la tire, elle se rétracte pas. باش ما تجمعش ليكم المسمنة وانتم كتقرصوا هي كتعاود تجمع ما ديروش الزيت في الاول من الاول فوق من البلاصة اللي كتقرصوا فيها واش قصرية ولا بلون طرافاي ولا الى بدات كتشرد رجعوا شويه الكرام باش تبقاو ملي تجربوها ما تشربش معكم هذه بلا بودره داموند نشوف كيفاش كندير هاد القنيتات اللي كيبقاو غلاض غير بالصباع ديالكم كتقدروا تجبدوا فيهم بحال هكا هنايا ولا بهاد الجهه هادي تاع الكتف تاع يديكم باش كتجي كلها مورقه Donc les coins là qui restent un peu épais, n'hésitez pas ou avec vos deux doigts là, à tirer comme ça, avec un peu de gras, ou avec, pas la paume de la main, pas complètement la paume de la main, mais juste ce côté-là, je ne sais pas comment on appelle ça, le bout du pouce en fait. Donc là je vais mettre un peu de beurre. Pas trop parce qu'on va en remettre du beurre pour les servir. Bon allez là, je vais enlever ça. Je prends un peu de poudre d'amande, je dis pas la quand. Thank you.
نجمعها بحال هكا. دونك هنا عندنا ما مقاداش نقادها واحد شويه voilà. Et là, je vais passer à l'étape, je commence à les cuire tout de suite. Donc, je reviens vers vous tout de suite. Donc là, j'ai mis ma poêle à chauffer. Je reviens à ma première crêpe, c'est-à-dire celle que j'ai pliée en premier. Pour l'aplatir, on insiste sur les coins, les quatre coins. Parce que c'est là où la pâte, elle reste épaisse. Et si c'est trop gros, alors ça gâche vraiment votre crêpe. Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est un semaine qui n'est pas fait par une bonne cuisinière. Donc on insiste sur les quatre coins. Donc كنقرصوها من الجناب الدريات ردوا بالكم هذوك ربعات القناتي ما يبقاوش غلاض باش ما يجيوش متقصين راكم عارفين هذا كوا الا كانوا غلاض ça veut dire راه حنا ماشي حابقات ردوا بالكم. غادي ندير شويه ديال الزيت في المقله. دونك شني ان تو بيتي بو دويل دون لا ما بوال على بيان شوفي اي جو رمي ان بو سور ما كريب. باش ما تعاودش ليكم ملي تهزوها كتهزوا بهاد جوج الصباع هادو وكتدخلوا الاخرين من التحت باش كتعاونكم. دونك بور لا بورتي جو لا بورت دابور دونك جو لا سوليف avec mon index et mon pouce comme ça pour glisser mes autres doigts en dessous pour la caler pour pas qu'elle se déforme. Si en cas où elle se déforme quand vous la remettez dans la poêle tant qu'elle est encore fraîche on essaie de rattraper un peu les défauts. Donc là تعاود جات لينا ملي هزيناها باش نديروها في المقله كنجيو كنبداو نعاودو نقادوها قبل ما تجمع راسها. Là, c'est important. Dès que je la mets sur mon feu, tout de suite, dès que j'arrange un peu mes côtés que j'ai tordu entre parenthèses, et ben je la tourne tout de suite. Donc غير كنديرها كنقاد لها هذوك الجناب ديالها وكنعاود نقلبها tout de suite قبل ما تشرب راسها. وغادي نبقاو غادي نخدامين بحال هكا هنايا كدورو فيها بالزربه بالزربه. نزيد شويه ديال الزيت من هنا من الفوق دونك اون راجوت ان تو بيتي بو دويل لا كوم سا اي جو لا روتورن انكور تري فيت. دونك ا فورس دو لا تورني دو لا روتورني سي لا و ايل وا كومونسي ا غونفلي جو با سي فو فوايي ديجا ا كومونسي ا غونفلي. Je vais baisser un peu mon feu. Je sais pas si vous voyez comment elle gonfle. J'ai ma caméra qui est en haut, donc je sais pas si vous voyez si elle gonfle ou pas. Bon. On va régler la température de notre poêle d'une manière où je vais cuire et en même temps faire mon feuilletage sans brûler ma crêpe. Donc quand le morceau je suis à la fière parce qu'on prend quand taille bon en même temps qu'un crème mousse le المسمنات الاخرى اللي باقيين باش نربحو شويه ديال الوقت و اون ميم طون كندورو يعني خاص يكون يدك هوك ويدك هوك خاصك تزربي تزربي.
من انتي فاتشي ما درتش الزبده في هذه معليش تنطويها المره الجايه اخرى عندكم تنساو هادشي عندكم فو با اوبليي تورني لا كريب De temps en temps, on rajoute quelques gouttes d'huile. Pas beaucoup, mais vraiment un petit peu. Si mes explications sont claires. Voilà, tourne un peu dans tous les sens. Et si, en cas où vous avez des coins qui ne prennent pas la bonne couleur, n'hésitez pas à remonter votre crêpe, comme ça par exemple, sur le bord de la poêle, et tourner pour qu'elle soit bien cuite de partout et qu'on ait une couleur uniforme. Donc, il y a ma comme même Genève, mettre trafou, j'ai mis Zoha ou Kachi à la marla, ou Joua, j'ai la vie à la vie, parce que je ne sais pas, mais jamais elle j'ai Et voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Je vais finir de cuire celle-là avec celle-ci avec vous. Et je vous montre, voilà, regardez comment elle est déjà, elle s'ouvre déjà toute seule. Elle est déjà bouhda. Normalement, quand elle a une belle couleur comme ça, c'est que c'est bon. Des deux côtés. Moi, je vais rajouter un tout petit peu là. Et là, en attendant que ça se termine, je vais préparer celle-là pour la mettre. Donc, toujours les quatre coins. Que le côté, pas au milieu. On n'aplatit pas la pâte au milieu, que sur le côté et on tire. Je suis juste les côtés en fait. Et après, elle se forme. Un
فوالا لا كريب. Ça brûle. Voilà. Donc, regardez-y, je suis interdite. Un tout petit peu d'huile. Avec mes petits deux doigts là, je glisse les autres. Je remets ma crêpe et j'essaie d'arranger les côtés en cas où c'est plus carré. Je remets un tout petit peu d'huile là et je la tourne. Donc cette étape là, le fait de la tourner tout de suite, c'est vraiment important. Si vous ne le faites pas, ça sera pas bon, ça va pas gonfler, les feuilles ne vont pas se séparer. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc on y va pas faire comme ça. Quand même les gars, même si maintenant je vais vous montrer comment faire. Donc une fois terminé, je vous montre la comment on appelle ça, on va dire la sauce avec laquelle je vais les servir. Voilà, tout de suite. غادي نكمل التحضير ديال الموجه ديالي. غندير اتاي نعناع بوافري. انا كنشري بحال هكا هنايا علاش؟ لانه هذاك اللي كنلقى ما كنمشيش لبلايص بزاف اللي كيكون فيهم طري، وملي كنشريه طري كيكون مزفر، ما عرفتش واش نتوما كيجيكم هذاك الريحه فيه. كنهضر على البنات اللي كاينين في الخارج اللي ما كاينش عندهم النعناع حرش. دونك ديكو لقيت هذا واعر، يعني كيجي بحال اتاي تاع المغرب مونط بوافري. دونك غادي ندير معكم اتاي، ما غادي اتاي جي فير دو تي، دو تي ماروكان، دو تي فير، دو لا مونط et du sucre. Donc je vais mettre une poignée de thé, une poignée de menthe poivrée et le sucre selon le goût, et je vais mettre de l'eau bouillante et après je vais le mettre sur le feu pour le laisser frémir un peu. Comme ça le thé et la menthe ils vont bien dégager leur saveur et se mélanger bien comme il faut. Et puis après j'ai préparé la sauce que je vais servir avec mes crêpes. Donc ça sera miel, ce sera avec du miel et du beurre, et j'ai fait dorer quelques amandes filées pour la décoration. Voilà, à tout. Quand la menthe remonte à la surface comme ça, ça veut dire qu'on peut l'enlever du feu.